Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle série. Une série que Julien, un abonné, m'a proposée. En fait, c'est simple, c'est une histoire de tirage au sort et de boîte. Tu vas me dire, Dylan, c'est quoi cette histoire de merde? Là-dedans, j'ai des joueurs. J'ai des papiers avec des noms de joueurs dessus. Donc, le but, c'est qu'il y a une boîte, une bonne boîte avec que des joueurs or, et une boîte dégueulasse avec un bon joueur, mais que des joueurs argent de merde. Donc, le but, c'est quoi? Quand on va gagner un match, on va piocher dans la bonne boîte, et donc on n'aura que des joueurs or rares qui vont nous augmenter le collectif et augmenter notre et améliorer notre équipe. Il peut y avoir des tots, des man of the match, etc. Alors que si on pioche dans la boîte dégueulasse, on peut tomber que sur des joueurs argent dégueulasses. Alors juste, il y aura un joueur qui pourra être if, héros, etc. En une carte spéciale, sinon c'est que des cartes de merde. En tout cas, voilà, l'équipe avec laquelle je vais jouer, c'est celle-là. On part d'une équipe bronze. Non rare avec deux argent parce que j'ai pas d'autres bronze et parce que j'ai pas envie de les gaspiller. Et même sans synchronie, c'est chiant pour. Je suis pas Crésus, frère. Et on a juste mis Andrézy Noctos, voilà, pour relever un peu le niveau de l'équipe. Donc tu peux voir qu'on a les joueurs, voilà, ça c'est les joueurs qu'on aura peut-être la chance de piocher dans la boîte ou peut-être la malchance de les piocher. En tout cas, on est parti pour ce premier match. Je vais arrêter de blablater. Donc voilà, je t'ai bien expliqué le concept, t'as compris. Le but étant donc de piocher dans la bonne boîte. Si on gagne le match, on peut taper que des joueurs rares. Si on pioche dans la mauvaise boîte, quand on perd, on peut taper que des joueurs de merde. Ou si on a de la chance, le bon joueur qui est dans la boîte, le seul boost, etc. On part avec une team full bronze. Le but étant d'arriver à une full tots. Tu vas me dire, Dylan, t'as pas assez de crédit. T'inquiète même pas. Il y a des gens qui me doivent des crédits. On aura les crédits pour faire une full tots or rare. Il y a plein de tots qui vont sortir. On aura l'argent pour se faire une full tots. En tout cas, lui, il a déjà Brian Ristos, par exemple, Jean-Drésigno. Bon, les gars, on va galérer. On va galérer. Je voulais partir en boucle les changements parce que je peux pas les jouer en saison. Parce que quand il y a match nul, je peux rien faire. En tout cas, là, c'est chaud parce que cet enfoiré, il a une grosse équipe. Il a des joueurs rapides, des joueurs qui claquent. Nous, on a un gardien coréen, frère. On a un gardien coréen. Vraiment galéré. Bon, chier, mais comme jamais. Mais je suis concentré, gars. C'est mort, je perds pas. T'es ouf, toi. J'ai de l'honneur, gars. J'ai mis une compo qui, vu que j'avais que des MOC, tu vois, j'ai mis une compo donc qui m'ont peut changer de compo au fur et à mesure des joueurs qu'on a aussi. Hein. Si on tombe sur un AD ou quoi, juste j'ai oublié de préciser un petit truc. Dans les boîtes, il y a un joueur par poste, c'est-à-dire que normalement on joue en 4-3-3, donc il y a un milieu de terrain, un gardien, un défenseur, un attaquant droit, attaquant gauche et un buteur. Donc voilà, il y a un joueur de chaque poste. Donc vu qu'il y a 5 postes, enfin 5 grands postes, tu vois. Oh putain, on a un roux les gars. C'est la roue de secours de l'équipe. Je commence avec des petites blagues sympathiques. T'es parti, t'es parti, t'es parti, t'es parti. Oh, il y a hors-jeu, putain, j'avais pas cramé, j'avais pas capté qu'il y avait hors-jeu, gars. Je croyais vraiment que c'était bon là, tu vois. Dommage, ça aurait pu être une. Ah, je me déteste, ah, je me déteste. Non, mais ça commence à laguer. Moi, j'aime pas quand ça lague, mec. Limite, sa mère, elle est à côté de lui, elle tient la parabole comme ça, frère. Oh, non. Non, c'est bon. Genre, tu captes mon chéri et tout, tu vois. Ah, gars, attends, achète-toi une connexion. Même moi, chez SFR, j'ai mieux, frère. Et de la chatte. C'est parti. Ah, mais par contre, dégagement, le gardien, c'est pas ça, le coréen. Aïe. Putain, le coréen, il fait le match de sa vie, gars. Mais en vrai, si on se fait prendre des frappes de Yaya Touré comme ça, s'il rentre dans la surface, on est foutu. Attends, il va pas arrêter des frappes de Yaya Touré, lui. Hein. C'est pas Jésus non plus. Hein. Ma roue de secours. Allez. Mais là, au fond. Yes! Ça lag, j'avais rien à foutre, j'avais rien à foutre, ça lag, mais c'est chiant. Pas grave. Ça joue bien, oh ça coulisse bien les gars là. Andrézinho, râteau, second râteau, il a couché Pep. Je sais pas qui, oh penalty, penalty. Bah c'est pas mal, hein. Oh non, je vais pas le tirer le gardien par contre, non, je suis. Andrézinho, il a la puissance mais pas l'effet ni rien. Comme d'habitude, à gauche, comme d'hab. Oh l'enculé, il l'a arrêté, putain. De zéro poteau, 2-0, la victoire elle est pour nous au rush kit, oh là 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 là. Non mais c'est bon. Attends, j'enlève mes écouteurs parce que j'en peux plus mettre là. Là je suis tellement refait, tu peux pas t'imaginer là. On a battu un mec qui avait une équipe de porc. On l'a niqué 2-0. Bon, ça a lagué, c'est vrai. Excusez-moi d'ailleurs pour le gameplay qui lag. Mais donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je ne peux pas vous faire un autre match, les gars. Vraiment, je peux pas parce que niveau montage, si je veux sortir la vidéo quand je veux, j'ai pas le temps de vous faire un autre truc niveau montage. On prend la boîte, on agite, on remue, on remue, on remue, on remue. Je ne vois strictement rien du tout. On tire un joueur au hasard et on tombe sur Milik. Voilà, alors attends, faut que.
Voilà, Milik, Milik les gars, Moro, Moro, c'est à cause de toi, ça, c'est pas possible. J'ai fait exprès de prendre Milik, j'ai fait exprès de mettre Milik dans la boîte. Je me suis dit, si je vais pas tomber dessus, merci Moro, c'est grâce à toi que je tombe sur Milik. Donc, les joueurs que vous avez vus dans la boîte, je sais pas encore si je les laisserai pour le prochain épisode. Je pense que oui, je pense que ces joueurs-là seront dans le prochain épisode tout de même. En tout cas, on a eu Milik, donc ça nous change de buteur déjà. On va laisser ça de compo. Juste voilà, Wilson, t'étais bien mignon, mais on préfère toujours Milik. Donc voilà les gars, c'est la fin de ce premier épisode simplement. J'espère que ça vous a plu. C'était votre gars sur Dinan HD. Ciao.